Le 1er juin 1958, la 4e République entame l'étape finale de son existence. Le général de Gaulle est investi comme président du Conseil par le président de la République, René Coty, au terme d'une intense crise politique. Après une traversée du désert de plus de 12 ans, le général retrouve ainsi la direction du pays. Pourtant, après la dissolution de son parti, le RPF, en 1953, peu s'attendaient à un tel renversement de fortune pour le général. Seul le niveau d'instabilité et d'incompétence atteint par la 4e République, qui n'est autre au fond que la bonne vieille 3e République prolongée au-delà de toute raison, explique la soudaineté et l'ampleur de la crise. Pour la comprendre, expliquons d'abord la situation en 1958 en France métropolitaine et en Algérie. La guerre d'indépendance de l'Algérie a commencé à la Toussaint de 1954 par l'insurrection régionale des Aurès, qui s'est transformée en soulèvement général dans le courant de l'année 1955. Élu en janvier 1956 pour trouver un règlement négocié avec le mouvement insurrectionnel, le gouvernement de Front républicain, présidé par le socialiste Guy Mollet, s'enlise rapidement dans la répression. La 4e République est désormais écartelée entre deux dangers mortels. Une guerre qu'elle ne peut pas résoudre sans monter aux extrêmes, et la colère d'une opinion métropolitaine qui ne supporte plus son instabilité gouvernementale. Sur le terrain algérien, l'heure est non moins grave. Les pieds noirs vivent la fin d'un monde dans une amertume croissante et la crainte d'être balayés par l'insurrection. Ils instruisent un procès permanent contre les politiciens de la métropole soupçonnés de préparer l'abandon. Deuxième facteur d'instabilité, le FLN. Battu de plus en plus nettement sur le plan militaire par une armée française qui a engrangé les leçons amères de l'Indochine, le FLN n'en est paradoxalement que plus fort sur le plan politique. Il interdit de fait toute possibilité de développement d'une troisième force algérienne plus encline à la négociation. L'armée, enfin, ébranlée en son tréfonds par le désastre de 1940, humiliée et bafouée une nouvelle fois en 1954 à Dien Bien Phu, croit tenir sa revanche avec l'Algérie. Bien dirigé par des chefs issus de la Résistance et de la France libre, Salan, Massu, Bijard, massivement soutenu par les Pieds Noirs, elle a su se transformer sur le terrain en une force mobile qui ne cesse de marquer des points. Elle devient ainsi peu à peu un État dans l'État, pour la première fois depuis l'affaire Dreyfus. Dès l'été 1957, de lucides acteurs de la vie publique nationale, comme François Mitterrand, avaient jugé la 4e République en sursis, et même le retour du général de Gaulle comme éminemment probable. Mais François Mitterrand n'est pas le seul à penser au général de Gaulle. D'autres forces, moins démocratiques de sentiment, souhaitent également son retour, et pour des raisons sensiblement différentes. Qui veut le retour de Gaulle, en effet, et pourquoi? Les gaullistes de conviction, certes, mais ils ne sont plus un groupe compact. Certains d'entre eux, avec Jacques Chaban-Delmas, leur chef de file, ont, comme les socialistes de Guy Mollet, rallié le Front républicain conçu par Pierre Mendès-France à partir de 1955 et sont tous peu ou prou partisans d'une négociation avec le FLN. D'autres, non moins fidèles à la personne du général, comme le sénateur Michel Debré, sont au contraire d'ardents partisans de l'Algérie française. Prudent, le général n'a donné de gage ni aux uns ni aux autres. Plus largement, la droite voit dans le général le patriote qui rétablira l'autorité. L'armée salue en lui le chef de la France combattante. La gauche reconnaît l'adversaire historique de Vichy. Mais ce qui assure la convergence de tous, c'est avant tout une croyance bien ancrée dans le miracle politique que l'effet de Gaulle pourrait assurer. Provoqué par un phénomène de souffle, un désarmement moral des deux communautés en lutte, européennes et musulmanes, et aboutir à un compromis autour d'un statut d'autonomie de l'Algérie dans un cadre néanmoins français. Deux hommes, Jacques Soustelle et le général Salan, aussi ambigus l'un que l'autre, seront les chevilles ouvrières de la véritable conspiration qui va aboutir avec la révolte militaire du 13 mai 1958 à l'opération Résurrection, le retour de Gaulle. Normalien, brillant spécialiste des sociétés précolombiennes, ancien marxiste, Jacques Soustelle s'est rallié au général de Gaulle dès 1940 depuis le Mexique. Il finira la guerre en dirigeant toutes les opérations extérieures du BCRA, les services secrets de la France combattante. Secrétaire général du RPF en 1947, il est tenu par De Gaulle, qui admire son intelligence et sa culture, pour son dauphin, jusqu'à ce jour fatidique de 1952, où Soustelle accepte du président Auriol
une mission d'information pour devenir président du Conseil sans même demander l'avis du général de Gaulle. Gouverneur de l'Algérie nommé par Mendès France comme libéral, fin 1954, Soustelle a fini par devenir l'idole des pieds noirs en se faisant l'avocat de la guerre à outrance. De Gaulle s'en servira sans se fier à lui. Plus étrange encore le cas de Salan. Officier colonial spécialiste du renseignement, autrefois proche de Georges Mandel, Salan a été fait prisonnier par le Viet Minh à Dien Bien Phu et incarne cette volonté de revanche de l'armée d'Algérie qu'il commande depuis fin 1956. Il a été l'objet, peu après sa nomination, d'un attentat au bazooka ourdi par des extrémistes, proches sans doute de Michel Debré, qui le croyaient soumis au front républicain. Miraculé, Salan s'est bien juré qu'à la prochaine tentative de putsch, il n'en serait plus la cible, mais l'un des organisateurs. L'idée d'un coup d'État commence en effet à se répandre dès le début de l'année 1958, pour culminer au début du printemps. Dès avril, l'armée est prête à agir pour imposer un changement de direction au pays. Le 9 mai, le prétexte est trouvé. L'exécution de jeunes soldats par le FLN entraîne une manifestation, le 13, au centre d'Alger, qui tourne à la sédition. L'armée, qui a soutenu l'émeute, se place le soir même, pour ainsi dire, à sa tête. Follement acclamés, les généraux Salan et Massu, le commandant de la région militaire d'Alger, un gaulliste de 1940, compagnon de la libération, annonce la création d'un comité de salut public. Dès le 15, Salan, poussé par Massu et Soustelle, qui a rejoint Alger, en appelle à la médiation du général de Gaulle. Quelques jours plus tard, pour démontrer la déliquescence du pays, les parachutistes du comité de salut public s'emparent de la Corse quasiment sans coup férir. Dès lors, trois pouvoirs s'affrontent. En Alger, un pouvoir de fait. À Paris, un pouvoir légalement désigné. Celui du président du Conseil, le démocrate chrétien Pierre Pflimlin, enfin, le pouvoir moral du général de Gaulle. Celui-ci avance prudemment ses pions, maintenant et activant ses réseaux, en Alger comme à Paris, à gauche comme à droite. 15 mai, il se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République, mais il ne force pas sa main. C'est Guy Mollet, le secrétaire général de la SFIO, qui donnera le signal de la débandade, en se rendant lui-même à Colombey et en assurant au nom de la paix civile le retour du général au pouvoir. Malgré une manifestation monstre à Paris des communistes, des radicaux mendésistes et de la minorité socialiste opposée à Guy Mollet, Pflimlin démissionne. La voie est libre pour que le président René Coty fasse appel au plus illustre des Français. Le 2 juin 1958, le général, qui a été investi la veille, obtient les pleins pouvoirs en métropole et des pouvoirs spéciaux en Algérie. Un processus, dira-t-il, a été engagé, qui conduit à réduire la fracture algéroise. La légalité nouvelle commence à effacer la sédition. Quelques mois plus tard, en novembre, dans un pays qui retrouve peu à peu une certaine sérénité, le général de Gaulle fait adopter une nouvelle constitution, celle de la Ve République, et obtient dans la foulée une très large majorité aux législatives qui suivent immédiatement. La page est tournée pour les contemporains. Elle ne le sera pas pour ses adversaires républicains de gauche, François Mitterrand, Pierre Mendès France ou Gaston Defferre, qui se sont opposés au ralliement de Guy Mollet. L'est-elle aujourd'hui ? La question demeure. De Gaulle a-t-il opéré un coup d'État ? A-t-il prêté la main à la subversion, même à une sorte de coup d'État permanent, comme l'en accusera François Mitterrand en 1964 ? À cette question, on doit répondre non. Le 13 mai n'est pas la machine infernale diaboliquement réglée par un artificier machiavélique. La 4e République est déjà morte à la fin de l'hiver 1958. Et ce qui se prépare ensuite, c'est la perspective d'une anarchie croissante. Et tout, jusqu'à l'investiture parlementaire du 28 mai, pouvait encore basculer, laissant le général de Gaulle impuissant face à une montée aux extrêmes qu'il n'avait nullement ourdie. Aussi son exclamation « Ai-je l'air d'un dictateur à mon âge ?» touche-t-elle d'emblée les Français par sa justesse. Reste le second procès que lui font encore beaucoup de pieds noirs et de militaires de cette époque. Son « Je vous ai compris » et son « Vive l'Algérie française » de juin 1958, prononcés avec son éloquence retentissante depuis le balcon du Forum d'Alger, seraient les témoins irréfutables de son double langage. Pourtant, là encore, il semble bien que la bonne foi du général ait été entière. Intoxiqué par le climat d'enthousiasme en Alger, le général a sincèrement cru sur le moment que son charisme pourrait lui permettre de proposer au FLN une paix des braves qui conférerait à ce mouvement assez vite
l'essentiel de l'influence politique en Algérie, mais dans un cadre demeuré français. Un an plus tard, il lui faut déchanter. Le FLN a écarté le notable modéré qui était Ferhat Abbas. Il ne transigera pas. Dès lors, l'absence de forces intermédiaires algériennes et l'ampleur de la sédition militaire coloniale qui aboutit avec le concours de Soustelle et de Salan, mais ni de Massu ni de Bijar, à la création de l'OAS, l'obligent à presser le pas. Car dès ce moment, ses priorités sont ailleurs. Moderniser le pays, le doter de l'arme nucléaire, engager le duel avec les États-Unis en Europe, terminer le chantier des institutions, l'Algérie y sera sacrifiée. De Gaulle n'a ni renversé la 4e République, ni abandonné l'Algérie. Syndic de faillite d'une longue accumulation d'erreurs, où il avait d'ailleurs sa part, le général a su montrer en 1958, comme en 1940, une résolution et un courage sans exemple. Ceux qui rétrospectivement le jugent avec sévérité au vu du respect des constitutions parlementaires ou de l'Algérie française ne peuvent cependant faire abstraction de l'authentique grandeur de son projet.